Cela fait 6 semaines maintenant que Turner est mort et que j'ai été promu. C'est Noël. Nous nous enfonçons dans la forêt des Ardennes, en Belgique. Il fait tellement froid qu'on pisse des glaçons. Ça va être une putain de bataille. Sans Turner, on n'avait plus de protecteur. Paul, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez nous en héros. Maintenant que Pearson commande, je risque de ne jamais rentrer. Joyeux Noël, Turner. Au fait, Turner, Pearson a nommé le petit Pecno caporal. Je me demande ce que vous en auriez pensé. Sans doute que t'es toujours un gros salopard, Yellow. C'est pas le moment, les gars. À Turner. Quel sacré vénard, hein. Faut toujours qu'il soit le premier. C'est ça, continuez à me jeter. Ouais, profitez-en ce soir, parce que demain, quand le convoi va passer, c'est vous qui serez sur le front pour le protéger. Et Turner sera pas là pour vous défendre. Du calme. T'es caporal maintenant, hein. J'espère que t'es plus doué pour donner des ordres. Vas-y. Je peux savoir ce que t'attends. Hey, j'en étais sûr. J'ai servi 6 ans avec cet homme. 6 ans. Joyeux putain de Noël. Le convoi est là et nous devons nous assurer qu'il atteigne le Rhin sans encombre. Et maintenant, on doit aussi survivre à ce froid glacial. Et à Pearson. Les bottes, vieux. Elles ont l'air neuves. Ouais. Il les a piquées à un auxiliaire. Le pauvre est mort de froid. Si Pearson était mon radin sur les réquisitions, j'aurais pas besoin de voler. Pas de soucis. Elle lui servait plus à rien, de toute façon. Il est où, le campagnard que je connais? Si tu le vois, fais-moi signe. Sacré Noël, hein, les gars. Ah ouais. Je dois rester au coin du feu avec ma petite femme, alors que je peux me geler le cul ici avec une bande de nazes. Oh merde, on approche. Ayello, reprends la mitrailleuse. Oui, sergent. Sergent, pas de manteau ou de couverture en rab? Vous avez tout ce qu'il vous faut. La tranchée est amorphée toute la nuit. Prends des munitions, tu vas les ravitailler. Si je prends ces munitions, Ayello va se retrouver à sec. Alors il va falloir faire en sorte que chaque balle fasse bouche. Daniels, qu'est-ce que tu fabriques dans le coin? J'ai des munitions, les gars. Eh, hey, regardez, un vrai Saint-Nicolas. Jette ça sous notre sapin. Tu nous as apporté quoi? Des chocolats? Des chaussettes sèches? Merde, débauche sur la colline, à 12 heures! Enrayez! Daniels, s'il vous plaît! Cherchez-en d'autres. En voilà un autre. Bon tir, Daniels. Ce poche-là ne rentrera pas. Mais comment ils font pour passer la 88e? Tu devrais aller à la tente de commandement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Thank you.
J'ai une surprise pour toi. Voici Howard. Ravi de faire votre connaissance. Désolé, je ne sais pas... Travailler avec un ingénieur hors pair. Howard était dans la compagnie qui a pris la crête. C'est dingue qu'il les laisse se battre. Bien sûr. Il nous laisse même mourir. Bon. Quand le convoi va passer, les Boches vont tout balancer. On n'attendait pas des réservistes ? C'est nous les réservistes. Sergent, on devrait demander un renfort aérien. Regardez ça. Daniel vient de se souvenir qu'il était caporal. La radio est réparée. Ouais, vous faites pas trop d'illusions. Les pilotes savent plus où donner de la tête. Voilà avec le ravitaillement. Servez-vous. Il ne reste plus qu'à les escorter jusqu'au Rhin. Ouais. Arrive, ils sont franchis nos lignes. Il y a une radio dans notre ancien PC. Couvrez-moi, le temps que je la mette en marche. Ce PC est trop proche de l'ennemi. Eh, hey, c'est caporal maintenant, bordel, alors agis comme tel. Ne pouvez pas nous demander d'y aller avec lui. J'ai du quiz, à nouveau. Ah, si tu... Hé hey, j'étais sous-officier. J'ai renoncé à mes galons. Faut qu'on bouge, et vite. Passez devant. On va à l'envers. Je vais te mettre mon poing dans la gueule. Hé, hey, fais ton boulot. On va mort, on est tous foutus. Atteindre la radio! À la lisière des arbres! Je la tiens! Elle est amochée! Ça va me prendre un peu de temps! Retenez-les! Facile à dire, pourquoi? Protégez Howard! Surveillez les arbres! Lancez de fumigène! Oh, on approche! Couvrez-moi! Merde! Merde! On va se faire dégonner! On est cerné! Une ici Dagwood, White 5. Je demande un soutien aérien. À vous. Bien reçu, Dagwood, White 5. Nos avions sont en mission de bombardement. Heure de retour inconnue. À vous. 509, ici le QG. On a une demande de soutien aérien d'urgence. Ramenez votre escadrille une fois la cible atteinte. Bien reçu, QG. Les bombardiers ne risqueront plus rien. Changement de cap. Nous sommes à 3 minutes de la cible. Protégeons les bombardiers. On a des tirs anti-aériens devant nous. Manœuvre d'esquive. Évitez leur DCA. Thank you.
deux heures. Moteur cause touché!
la place aux bombardiers. On se tait et on se regroupe sur moi. UG, ici 509. Escorte terminée. Prêt pour appui aérien. Bien reçu, 509. L'infanterie et les engins blindés ennemis attaquent la 9e division blindée. À vous. Rover Joe! Rover Joe! Ici Dagwood, White 5! Ils sont sur nous! Où est notre appui aérien? En attente, Dagwood, White 5. Avion en route à 50 miles. À vous. On dégage de là, allez! Allez, on doit retourner sur la ligne de front! On se replie! Allez, allez, allez! Ils sont derrière nous! Les renforts aériens sont en route! Il tiendra pas! Il va falloir! Accroche-toi, l'ami! Sergent, montrez-les-moi! J'ai besoin d'aide! En formation! Surveillez cette lisière! Restez sur vos gardes! Fumigène de marquage, Yalo! Attends qu'on ait des cibles visuelles! Ça bouge dans les arbres! Fumigène de marquage, Yalo! J'ai besoin d'aide.
avance encore. Affirmatif. Je m'en dis trois aériennes sur ces chars. Ils sont dans la limite de sécurité. Là où je te dis, les gens sont à découvert. On peut faire ça. Traveur. J'ai une question. Ça fait combien de temps que Pearson est aussi taré? C'est pas vraiment de mon droit. C'est sûrement une médaille pour ça. C'est pas si mal. On a de la chance d'être en vie. Pour l'instant. Daniel s'emmène ses poches au traitement. Oui, c'est vrai. Le mag pour être. Hé, j'ai déjà vu ce regard. C'était juste avant Catherine. Il n'y a plus bruit, les gars.